Ça a toujours été un plaisir de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu dans votre unième numéro de votre magazine Décryptage Info. Aujourd'hui, comme toujours, comme à l'accoutumée, nous nous proposons de vous parler des actualités qui touchent notre pays. Comme toujours, ici, il est question d'analyser, d'apporter notre touche. Parce que ici, le Congo a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles, pour ainsi construire notre très cher beau pays. Ainsi, nous n'échappons pas à la règle. Nous sommes là toujours chaque matin, ici, pour vous parler des actualités politiques de notre pays. Ici, aujourd'hui plus particulièrement, il s'agit du discours du chef de l'État. Vous avez bien suivi hier, nous avons tous suivi hier l'allocution du chef de l'État qui a tenu à rassurer, qui a tenu à peindre les tableaux de ce qu'a été l'année 2021. Qu'en est-il de réalisation? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va en parler, on va en décortiquer tout au long de notre magazine de ces jours. Voilà, je vous demande déjà de vous abonner, abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live Télévision, et n'oubliez pas de liker et de commenter, parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de vos apports pour ainsi améliorer le travail qui est fait, pour ainsi vous servir dans la bonne manière de vous servir, de vous satisfaire. Voilà, ça c'est notre credo. Comme je l'ai dit, le président de la République a tenu à répondre à cette obligation légale et aussi politique. Ces rendez-vous que chaque fois ou à chaque fin d'année, le président de la République doit tenir un discours sur l'état de la nation pour dire, voilà le Congolais, je suis votre président et voici ce que j'ai à faire. C'est un peu ça la connotation que doit avoir un discours sur l'état de la nation. Vous m'avez donné confiance, voilà ce que je suis en train de faire. Voilà ce qui m'a été assigné, ou bien voilà ce que j'avais comme projet. Voilà ce que j'ai eu à réaliser. Voilà ce que je n'ai pas pu. Voilà ce qui est en cours. En réalité, c'est ça le discours sur l'état de la nation. Donc, on est ici en train de dire ce qui est fait, ce qui a été fait et ce qui doit être fait. Ici, il est question de peindre ces tableaux-là pour faire comprendre aux Congolais la quintessence de son action gouvernementale. La quintessence de son action ou son hégémonie sur l'avenir sociétal. C'est ça, en quelque sorte, un discours sur l'état de la nation. Ici, coup de chapeau au service de communication, parce que c'est une progression, c'est une bonne chose. Quand il y a des bonnes choses qui sont faites, il faut que nous ayons le même courage, au même que nous avons. Lorsque nous dénoncions, nous devons l'avoir aussi lorsque les bonnes choses sont faites. Ici, je m'en vais louer le travail qui a été fait par les services de communication de la présidence, de voir qu'on arrive à utiliser un téléprompteur pour permettre à ce que le président puisse lire, puisse lire, et non sur papier, mais sur la vision par devant lui. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose et ça a permis à ce qu'ils puissent s'étendre eux dans la rhétorique et dans son oratoire, dans son agencement de paragraphes qui ont fait l'objet de son discours. Et je pense que des aptitudes comme ça, je pense que des éléments comme celui-là
sont à prendre en considération. Parce que dans tous les pays du monde où il y a la technologie, ces choses-là sont faites ainsi. Voilà. Le président de la République a peint un tableau. Je m'en vais ici dire que le président de la République a reconnu, ça c'est le premier aspect que moi je peux relever, que beaucoup de choses restent à faire. Tout ce qu'il a eu à promettre au peuple congolais, aujourd'hui, il n'a pas tout réalisé. Les défis sont énormes. Beaucoup de choses restent à démontrer, à réaliser. Et le peuple congolais est de plus en plus impatient des résultats. Et j'ai trouvé un président aussi plaintif. Le président plaintif, pas de son fait, plaintif par rapport à ses collaborateurs. Un président plaintif par rapport à ses collaborateurs. Parce que tout ce qu'il met comme énergie, ça ne suit pas d'effort par ses collaborateurs. On semble avoir un président isolé, avec des intentions pieuses, mais qui souffre de réalisation. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui se tapent. Qui se tapent de fortune, qui se tapent. Qui prennent le loisir de devenir millionnaire, de devenir milliardaire sur le dos du peuple congolais. Et ça, c'est le non-dit que moi j'ai compris. Et quand le président l'a dit une fois, quand il était à Goma, il a dit ceci, que dans ces pays, il n'a jamais su, il ne pouvait pas croire que la corruption a atteint un tel niveau. Il ne pouvait pas croire ça. Aujourd'hui, nous, Congolais, nous avons atteint un niveau où nous sommes capables de nous entretuer pour gagner plus au détriment du bien-être de la population. Et c'est ce que moi j'ai retenu. Et ça, c'est ce que moi j'ai retenu quand le président l'a dit. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais ici, il est question de parler des éléments saillants, de points saillants. Je prends le premier détail. Il dit que la situation de nos compatriotes n'est pas reluisante. Je demande au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. Oui, ici, le président de la République reconnaît ses faiblesses. Je trouve là un président sincère qui fait voir à la face du monde qu'il n'a pas pu tout faire et que toutes ses promesses n'ont pas été réalisées. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, lorsque vous tenez un tel discours, ça rassure. Un discours sincère fait voir la dose de votre pragmatisme, de votre réalisme. Et ça, je trouve que le président de la République a bien cadré le tir. Parce que le Congo va souffrir. Parce que les Congolais vont vivre dans l'hypadécent. Il faut voir l'hypadécent, il y a une capacité. Ici à Kinshasa, l'hypadécent, ils ont quitté de plus en plus. L'hypadécent, ce qui est là, c'est là. Ici, avec nos boulangeries, ici, de Pain Victoire et les autres, les Indiens et Pakistanais, qu'est-ce qu'il ne faut pas? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Aussi longtemps que le social, et Zali Kobogate, les gens ont des remords. Ont des remords quant à ça. La situation du peuple congolais n'est pas reluisante. Et le président l'a confirmé. Je l'ai dit ici hier, par rapport à la situation de cette affaire RAM, le président n'en a pas parlé. Moi, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi le président de la République n'a pas parlé de la question du RAM?
Parce que quand il reconnaît que cette situation de compatriote n'est pas reluisante, parmi les situations qui rendent peu reluisante la vie de la population congolaise, le RAM fait aussi partie. Le président de la République devrait fixer l'opinion parce qu'on en parle. Avant ce discours-là, le président de la République, l'Assemblée nationale et toutes les autres institutions, nous étions dans la fièvre de cette question relativement au RAM. Donc, le président de la République ne pouvait pas faire obstruction de cet aspect-là. Parce que le RAM, jusqu'aujourd'hui, c'est un prélèvement qui continue. Les modalités n'ont jamais été discutées comme il se doit. Et voilà, on se rend compte que petit à petit, ça reste, ça va devenir un mode de vie avec toutes les irrégularités qu'on est en train de faire face. Et aujourd'hui, surtout qu'on est en train de dire que les RAM ne se trouvent pas dans le projet de la loi de finances. Attendons voir comment est-ce que le budget sera promulgué, hein, la loi des finances sera promulguée. Nous attendons voir impatiemment pour connaître de l'issue, hein, connaître de l'issue du RAM. Mais le président de la République ne peut pas faire obstruction à cet élément en détail. Parce que moi je trouve, à mon humble avis, que c'est un élément de détail. C'est un élément de détail. Cette situation autour de cette affaire de RAM devrait être élucidée et de dire Mongoana Oezani Kobima, Mongoana et Salamine Dengue, Nini. Parce que c'est ça. J'avais dit ici que l'état de la nation, le discours sur l'état de la nation, peint le tableau de ce qui est fait, de ce qui a été fait et de ce qui doit être fait. Il fallait nous dire en termes de chiffres clairs, surtout dans la situation politique. En termes de chiffres clairs, on devrait nous dire. Et le gouvernement ici doit fournir d'efforts. Parce que dans notre système politique, le président de la République, c'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Il ne répond pas. Certainement, il est en train de donner de grandes visions. Mais l'institution qui est censée à mettre en place les projets, c'est le gouvernement. Nous semblons trouver ce gouvernement de Warrior décevant. Décevant. Et même le président de la République, quand il dit que je demande au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets, c'est-à-dire que, en quelque sorte, le président de la République trouve dans le chef de son gouvernement quelques couacs. Mais pourquoi ne pas agir aussitôt? Parce que vous semblez avoir une mainmise sur cette idée sacrée et vous l'avez reconnu, monsieur le président de la République. Vous l'avez reconnu quand vous avez dit que nous avons constitué sur le plan politique aujourd'hui l'Union sacrée. Ça prouve que le président de la République a aujourd'hui un contrôle. Et bien pourquoi ne pas agir? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui avec votre gouvernement, le gouvernement du ministre, du premier ministre Samalou Kone, n'est que désolation. Et la plupart de ministres qui se trouvent dans le gouvernement que vous avez nommé sont des incompétents. Ce ne sont pas des choses que nous inventons. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce que les choses sont faites. C'est seulement certains qui sortent du lot. On trouve certains qui excellent dans la matière. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont ministres que de nom. Ministres que de nom. Et moi, je pense qu'il est très important, et qu'il était très important, et qu'il le sera aussi, pour le gouvernement de se rattraper. On n'a plus le temps. On a passé déjà 3 ans comme ça. Le président de la République a tant promis. On peut le comprendre, on peut lui donner les crédits. Quand il était avec c'est du FCC, on pouvait dire, son discours pouvait n'est pas tablé sur des éléments concrets. On pouvait donner du crédit, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, il a une certaine hégémonie, il a une certaine influence
Aujourd'hui, il y a une certaine mainmise sur l'Union sacrée. Pourquoi ne pas remanier? Pourquoi ne pas trouver des gens capables à répondre adéquatement aux préoccupations du peuple? Pourquoi ne pas le faire? Le gouvernement Sambalou Kone est en train de souffrir. C'est un gouvernement avec des ministres incompétents qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. C'est ça, c'est toute la difficulté. C'est toute la problématique qui règne autour de cette question. Et moi, je pense que le président de la République n'a plus raison, n'a plus le temps de pleurer. C'est un président qui doit agir. Il doit agir. Parce que c'est ça le moment. Il ne lui reste que c'est 2022. 2022. Il doit maintenant dire ce qui a été fait concrètement. Mais le gouvernement ne l'aide pas. Le gouvernement ne l'aide pas. On est trop dans les tâtonnements. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Le président de la République sur ce voyage. Un président qui voyage trop. Un président qui est tout le temps dans des avions un peu de partout. Il est en Europe, il est aux États-Unis, il est en Asie. Qu'est-ce qu'il cherche? Sur le voyage du chef de l'État, nous avons suivi, nous avons tout suivi. Un président qui voyage trop. Un président qui est tout le temps dans des avions. Un président qui est tout le temps à l'air, qui cherche toujours. Ah ouais, je l'ai toujours dit ici sur ce plateau. Il faut que nous puissions quitter les sensationnels pour ainsi parler aussi objectif. C'est très important. C'est très important. Vous pensez que si le président de la République voyage, il ne gère pas le pays? C'est ça que vous pensez? Si le président de la République est en voyage, donc le pays ne se gère plus. Mais à quoi servent toutes ces institutions? Parce que le président de la République, il a cette mission-là de remettre ce pays dans le standing international, dans la sphère internationale, sur les marchés internationaux. Il faut que ça moque un standing. Il y a le droit de bateau avec un téléphone. Chacun vient exposer sa marque pour faire sa publicité. Et c'est comme ça aussi avec le pays du monde. Tous les pays du monde. Et ça, c'est la marque Nayango. Maintenant, la marque Congo aussi doit être vendue. À part le chef de l'État, qui peut vendre la marque Congo mieux que lui? Qui? Sur cette question de la diplomatie, moi, je trouve que c'est une diplomatie raisonnable. Au niveau, c'est une diplomatie qui est adaptée au niveau trouvé. Un niveau très bas où le pays a été pratiquement isolé, où les décisions se prenaient à l'absence du Congo. Et aujourd'hui, le président de la République, petit à petit, nous a rendus ainsi visibles. On commence à parler de nous, on traverse des tapis rouges, on est en train de parler là où les décideurs prennent des décisions, les drapeaux de la République démocratique du Congo flottent, et ça c'est une fierté. Il ne faut pas venir me dire ici, à bon temps à voyager bon mot, l'Ipekoti, Tolie Bele. Non, ça c'est un raisonnement très bambin. Un raisonnement à peu près. Un raisonnement qui ne cadre nullement sur les aspirations, sur ce que doit être l'ambition d'un Congolais pour son pays. Parce que j'ai toujours dit que le Congo est un grand pays, il mérite de nous une certaine grandeur, et cette grandeur aussi doit être dans les ambitions que nous avons du Congo. Le Congo ne doit pas avoir pour ambition celle de Menu Fretin. Non. Ici, il est question de remettre le Congo, de le rendre encore visible, de dire
aux investisseurs, de dire à nos partenaires que vous pouvez à nouveau parler avec nous. Nous nous proposons à dialoguer avec vous. Voilà ce que nous nous amenons. Voilà ce que le Congo est capable de faire. Et ça, le président public le fait très bien. Et ça, c'est une chose à encourager. Et je pense que de cette manière-là, les choses vont avancer. C'est très important. Voilà. Sécurité. Le président de la République a parlé de cette question de sécurité. Le président de la République a parlé de cette question de sécurité. Plus particulièrement avec le Koulouan, plus particulièrement avec ses voyous. Hein. Le Koulouan, Bazal, Luna, Kanyamaka, c'est bonne chose. Ça, ça doit respecter hein, les règles démocratiques. Ça doit respecter les textes légaux qui régissent notre pays. Il ne faut pas que ces cadres de Kanyamaka CC puissent violer la loi. Non. Et que ça doit contenir. Hein, ça doit contenir aussi cet aspect juridique pour permettre que les choses puissent se faire selon les règles de droit. Parce que nous nous disons état des droits. Qui dit état des droits dit respect des normes, dit respect des règles. Pouvant nous conduire, pouvant nous amener. Le président de la République a parlé de Kanyamaka CC, il loue. Voilà. Kanyamaka CC doit encore fournir des efforts. Farine, Ezoko Manakitcha, bon, et savon, ça se vend pour le soldat. Alors, pour les civils, quel est le transport qui est affrété pour que Masangwane Lombaka le plus vite possible et comme l'Arabie soit Banzeli, Satan. Et comment ça fait-il que Masangwa Ezo Longwa Kuna Kanyamaka Sese. Ils ont été comme un Mbujimai na 36 000, mais ils ont été comme un Kinshasa na 18 000. Na Mbujimai na Kinshasa, ni les hommes aussi. Par rapport à Kanyamaka Sese. Kinshasa, les hommes aussi. Mais voilà que, ils ont été comme 36 000 na Mbujimai, mais de l'autre côté, ils ont été comme 18 000. On va m'opposer ici Banzela. Mais pourquoi Banzela et moi, ils ont tombé. Ti les gelous, eux, ils ont salement. Le niveau est à Kassai. Et comme il est niveau libre, il faut nous dire ça. Comme il est niveau libre. Voilà, la sécurité. Le président de la République a parlé de l'entrée sur le sol congolais de l'armée ougandaise. Cette armée ougandaise qui continue de frapper, vous avez aussi suivi, hein, ça continue de crépiter un peu de partout, là-bas à l'est du pays. Ça crépite. Si c'est pour rétablir la paix, parce que nous avons une frontière voisine avec nos amis ougandais. En politique, il n'y a pas des ennemis éternels. Les États, il n'y a pas des ennemis. S'il y avait des ennemis, vous ne pouvez pas comprendre que les États-Unis d'Amérique se parlent, dialoguent avec la Chine. Il n'y a pas des ennemis éternels. Il n'y en a pas. Il n'y a que des amis permanents. Il n'y a que des amis permanents, des gens qui se proposent au vu d'un certain intérêt qui accorde. Et moi je pense que aujourd'hui la RDC a intérêt de coaliser avec les autres armées. Quand bien même que l'expérience qui est nôtre a fait que des armées sont combattues sur notre sol, cet élan-là ne doit pas nous empêcher de fusionner nos moyens. Parce que je l'ai toujours dit sur ce plateau, si nous nous mettons à combattre ces ADF, nous les chassons hors de notre territoire,
ils vont aller où? Ils vont aller à l'Ouganda. Ils vont se cacher là-bas. Ils vont aller au Rwanda. Ils vont se cacher là-bas. C'est ça le problème. En tant que mouvement terroriste, la guerre applicable au mouvement terroriste n'est pas la même applicable lorsqu'il s'agit de celle conventionnelle. Ici, il est question de se mutualiser. Ici, il est question de parler frontières. Ici, il est important pour que ces armées puissent se fusionner parce que nous avons un ennemi commun. Un ennemi commun. Au lieu que ce que nous combattons ici, ces ZDF-là, aillent de l'autre côté, à notre détriment, parce que si c'est reconquis de l'autre côté, deux ans après, ils vont ressortir dans la brousse pour nous attaquer encore, pour nous détruire nos vies. Et moi, je pense que la solution ici, c'est veiller. Veiller promptement. Veiller rigoureusement. Veiller sur ce qui est fait en termes de combat. Ce qui est fait en termes palpables, en termes quantitatifs, en termes qualitatifs de combat pour pouvoir limiter l'action de l'armée ougandaise. Et c'est pourquoi j'ai félicité ici quand j'ai entendu l'ONU demander que les choses se fassent avec la coordination des Nations Unies. C'est très important parce que ça va permettre un certain contrôle, ça va permettre une certaine coordination pour ne pas tomber dans les excès. Et moi je pense ici, et je pense ici, je l'ai toujours dit, que pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons que nous mutualiser. Et ça, sous ce point-là, l'article 213, l'article 214 ont été respectés. Le président de la République l'a dit et l'a réaffirmé. Ici, il est question d'informer sur cet accord-là. Informer les deux chambres bicamérales que nous avons ici, les deux chambres parlementaires que nous avons ici au Congo, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà des éléments importants. Et moi, je pense que sur cette question-là, nous sommes sur une bonne lancée. Parce que c'est depuis un bon moment que nous n'attendons plus que « Oh, Babomaki !» C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous commençons à comprendre que le FARDC gagne du terrain. Et ils ont déjà gagné du terrain, et ça, je l'ai dit, j'ai toujours dit, il y a des gens qui m'ont taxé de tout le nom. C'est ça le problème. Le problème, c'est que Congo, les gens veulent jouer le jeu de l'ennemi. Vous voulez jouer le jeu de l'ennemi. Quand l'ennemi fait circuler Bakayabomaki, vous êtes les premiers à publier ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Alors, nous, quand les FARDC gagnent du terrain, s'autopublièrement, oh, point de publier. C'est pitoyable et contradictoire. Pitoyable et contradictoire. Pourquoi nous ne pouvons pas louer nos propres efforts? Pourquoi Kao et Mboka la bisson des alarmabé? Mais ce que les autres font sur nous est Zamalam. Parfois, au-delà de nos divergences politiques, tout le gana Mboko. Tout le gana Mboko, parce que c'est très important. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres Congolais. Oh, Balingaka, on a malheur pour le Congo. Et bien, on a malheur pour le Congo, ils s'en réjouissent. Parce qu'ils ne soutiennent pas Tshisekedi. Non. Dans tout ça qui perd, tu sais qu'il est aujourd'hui présent, demain il ne le sera pas, il va partir. Il sera avec ses enfants, il va prendre sa retraite est assurée. Et nous autres, qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Il faut parfois nous puissions remettre ça en cause. Parfois il faut que nous autres, tout ça là, nous examinons, on a des consciences. Ces gens-là, les Samankonde, ils vont partir.
Babus na bango botika na ba primature. Parce qu'ils ont à diriger ces pays. Et ba na bango ba kozala bien. Ba kozala bien, c'est fini pour eux. Mais c'est pas comparable à nous autres. C'est pourquoi je dis ici, photo longo la rana nous, ba sentiment dans ce que nous donnons comme analyse, ba sentiment dans ce que nous faisons. Parce que dans tout ça, c'est le Congo qui gagne ou qui perd. C'est le Congo qui gagne ou qui perd. Et qu'est-ce que moi je gagnerais sur la Mouni Bokananga et sans la posture à ma vie. Et j'ai les gens, ça manque comme ça. Les gens se mettent à se complaire sur la Mouni que nous souffrons. Sur la Mouni que Mboka et le côté et le comment on tama longa et gozala. Des analyses approximatives. Et moi, je le dis toujours que Congo, ils ont mérité biloko wanate. Ils ont mérité biloko wanate. Donc, il faut assurer un strict. Hein? Il faut ici limiter la force de l'armée ougandaise pour que Mahabnabango Baosala ait à la contrôler, contrôlable, ait à la vérifier, vérifiable. Pour que les gens puissent, à la fin de ces efforts-là, te dire que non, il y a qui n'ont pas besoin d'aller au temps. Moussala Basali est qui a boué, a boué, a boué, a boué. Résultat, tu peux si yango. Voilà ce que nous voulons. Et ça, je sais qu'avec notre armée, avec nos généreux, Moussala, il y a madame. Parce qu'il y a des bons parmi les mauvais. Et moi, j'ai toujours dit que dans ces bons-là, Maramoupé, Malamoupé et Kokikobima. Non, Malamoupé. Et Koki Kobima. Voilà. Ça, c'est sur les volets sécurité. Élection. Le président de la République en a parlé. Le président de la République tient mordicus à l'organisation des élections. Les élections dans les délais constitutionnels. Il a dit, il a appelé à ce que ceux qui n'ont pas encore emprunté la barque puissent le faire le plus vite possible parce que le train est déjà en marche. Le train est déjà en marche. Rien dit. Ici, le président, nous voyons le président public qui se veut rester dans la logique du respect des textes. Pas une seule seconde en dehors du mandat lui reconnu par la Constitution. Ça, c'est très important. Et ça, c'est une chose à féliciter. C'est pourquoi j'ai dit ici, hier, voilà ce que ça produit comme résultat, sitting à la Mouka. La Mouka aujourd'hui est aux abois. Les vieux Fayoul ou les vieux Mouzites sont aux abois. Fallait voir, lobby, la Mouka et Sali sitting. Je me suis dit, Nabi, la Mouka est moi. Ça, c'est la Mouka. Avec un président élu. Désolation, pitoyable. Donc, petit à petit, la Mouka se trouve seule. La Mouka s'est assombrie. Il n'existe même plus. On n'en parle même plus. C'est dans les oubliettes. Sauf mon pauvre grand frère Prince Epengue, lui qui est là chaque matin pour parler. Et midi pour parler, soit pour faire la même chose sur Top Congo. Voilà. C'est ce qui reste là, en tout cas. Plus rien encore à espérer. Et le professeur Devos Kitoko. Voilà. C'est ce qui reste de là, en tout cas. Il est temps maintenant d'emprunter ce train-là. Il faut organiser les élections. Il faut organiser les élections. Et ça, Denis Kadima est déjà au pied d'œuvre. Denis Kadima est déjà au pied d'œuvre pour que ces élections-là se déroulent conformément à nos règles. C'est pourquoi il faut déjà penser. Il faut déjà penser relativement au fond. Les gouvernements doivent déjà disponibiliser ce fonds-là. Ce fonds-là doit déjà exister. Pour que tantôt, comme on a un niveau, on a, et comme on a été, oh non, bon, tu vois. Nous ne voulons pas ça. Donc, classe politique Nabisso est à la renouveler comme nous l'avons voulu ainsi.
et que cette fois-ci ba élection au Yoko Salema est à la paix ba élection à la base comme le veut nos lois. Nous voulons une élection aussi à la base, tous à la base municipale, tous à la base urbaine, tous à peine local. Il faut pas voter ba maire, il faut pas tout voter ba bourgmestre. Bango ata ba élection na bango ezaka au second degré. Il faut battu ba voter, ba tonyo se faut ba voter pour que ba permettre bango pe ba sala ba élection na bango au second degré et bi misa ba maire ba bourgmestre et bi misa ba tout. Oh ba singeli ko marquer l'empreinte ya décentralisation ba matérialiser. Va matérialiser ce que la décentralisation, ce que la déconcentration. Parce que nous peinons sur cet aspect des choses. Voilà. Voilà, la justice. La justice, le président de la République s'en est plein. Et il dit que il doit réformer. Il faut des réformes courageuses sur la justice. Et moi, je pense que c'est très important. Il faut revoir la justice. Notre justice n'a pas encore acquis cette force pour travailler comme il se doit. Il faut les faire. Et ça, le président de la République, comme il a dit, la justice doit se mettre en ordre de bataille pour ainsi permettre de soutenir ces piliers-là de l'état de droit. Voilà, ce sont là le point que nous avons jugé bon d'analyser, de faire comprendre que les éléments comme nous l'avons présenté permettent à ce que notre pays puisse gagner en ça et les désavantages dans ça, c'est ci ou c'est cela. Donc c'est ce que nous avons dit et je pense que le président de la République a encore un peu du temps qui lui reste, il doit parler, il doit agir, il doit réaliser. Hein, surtout dans ce qui est du concret par rapport à son gouvernement doit travailler. Voilà, c'est sur ce point que nous allons mettre un point final dans notre magazine Décryptage Info. J'avais le réel plaisir de l'animer. Merci parce que vous nous avez suivis de partout. Moi, je vous dis déjà au revoir et bonne journée.